Rencontre avec Aline la Byzantine. Une visite ludique de Besançon, proposée par Karine Fioulot pour Contenu et Compagnie. Épisode 1. Bonjour, moi je m'appelle Aline et je vis dans cette belle ville de Besançon. Comment ça? Comment tu ne connais pas? Mais enfin, la grande ville de la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, cette région qui est tout à l'est de la France, un peu au nord, au-dessus des Alpes, mais un peu au sud, en dessous de la Belgique, de Strasbourg. Besançon, mais oui, la capitale du département du Doubs. La ville de Besançon, c'est juste un paradis. Tu ne me crois pas? Eh bien, suis-moi. Tu vas voir, tiens. Attends, c'est moi qui te guide, enfin. Attends-moi. Bon, d'abord, regarde cette carte. Tu vois le Doubs? Eh oui, encore lui. Mais là, c'est la rivière, la principale du département. Bon, bref, tu le vois là. Il fait comme une boucle au pied de cette haute colline. Et oui, ça va monter pas mal pendant notre balade. Tu as de bonnes chaussures, j'espère. C'est quoi ce bruit? Bizarre. Bon, cette fois-ci, on est parti. On va d'abord aller au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Mais non, ça ne va pas t'ennuyer, fais-moi confiance. Tu vas voir, il est tout neuf et vraiment étonnant. Si tu aimes les arts, on pourra aller voir les tableaux, les sculptures. Mais pour le moment, concentrons-nous sur l'histoire. Regarde là. Oui, ces galets peints et gravés il y a 14 000 ans. Et oui, ici, il y a eu des hommes dès la préhistoire. Ensuite, un peuple gaulois s'est installé là. Les Séquanes. En voilà la preuve. Le squelette de l'un d'eux est ici. Ça te dégoûte? Oh, la chouchotte! Bon, passons alors aux Romains. Ils sont venus jusqu'ici. Quel sacré soldat tout de même! Là, dans cette vitrine, c'est un casque de légionnaire, très bien conservé, n'est-ce pas? Il est entier. Il me fait penser à une célèbre bande dessinée où on voit ses casques souvent en l'air. Tu ne vois pas? Allez, réfléchis un peu. Astérix, Obélix, Panoramix. Et là, ces mosaïques romaines aussi sont superbes. Un peu plus loin, de belles statues médiévales. Et tout a été trouvé ici. Voilà une bonne leçon d'histoire locale, non? En fait, dans ce musée, il y a aussi l'histoire de... Attends, on va s'amuser. Ferme les yeux et je te guide. Attention, ouvre-les. Te voilà devant la tombe de Cérémon et Ankapakered. Ah, je n'arrive jamais à le dire, ce nom-là. Enfin bon, ce sont des Égyptiens de l'Antiquité. Voilà leurs deux sarcophages, tout décorés, et leurs momies. Incroyable, non? De voir ça chez moi, ici, en Franche-Comté. Même pas besoin d'aller en Égypte. Enfin, moi j'aimerais tout de même bien y aller pour les pyramides. Mais revenons à Besançon. Tu veux voir de l'art aussi? Il y en a plein ici. Je te laisse monter dans les étages, regarder les tableaux, les sculptures, et puis on se retrouve dans une heure pile en bas, d'accord? Ah, te voilà. Eh bien, parfaitement à l'heure, bravo! Ça t'a plu? Ah, super, je suis contente. Il faut dire qu'il y en a des tableaux ici, n'est-ce pas?
Bon, tu es prêt à repartir? Je voudrais te montrer quelque chose. Mais pourquoi caresses-tu les murs? Mais enfin, mais ça ne va pas bien? Mais que t'arrive-t-il? Ah, tu trouves ça doux! Attends, 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 je touche à mon tour. Ouh, mais c'est vrai ça! Là, je suis tout à fait d'accord. Je t'explique. En fait, c'est du béton lisse. Ah oui, j'ai oublié de te dire, de t'expliquer. En fait, ici, on est dans un vieux musée. Et normalement, on ne voit pas beaucoup de béton lisse. Tu as raison. En fait, le béton, on s'en sert surtout pour les immeubles modernes. Alors, je comprends que tu sois un peu étonné d'en trouver là. En fait, ce musée est ancien, c'est vrai, mais aussi moderne. Les murs extérieurs sont vieux, mais tout à l'intérieur a été refait par un architecte qui adorait le béton. Pour lui, c'était un tout nouveau matériau de construction. Et pour la rénovation, qui a eu lieu très récemment, il y a 2 ans, eh bien, on a rénové ce béton, on l'a laissé là. Voilà pourquoi nous sommes dans un musée à la fois vieux et moderne. Oh, moi, j'adore. Mais quoi encore? Qu'est-ce qui fait ce petit bruit-là? Tu l'as entendu? Non? Rencontre avec Aline la Byzantine, une visite ludique de Besançon proposée par Karine Fioulot pour Contenu et Compagnie.